Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les élections générales se tiendront le 30 décembre et non le 23 décembre, comme initialement prévu en République démocratique du Congo. Après 2 ans d'attente, ces scrutins suscitent l'espoir d'un changement pour les quelques 40 millions d'électeurs congolais. La 16e édition du Dialogue national au Rwanda s'est tenue les 14 et 13 décembre. À l'issue de cet événement, 10 résolutions ont été adoptées par le gouvernement dans le but de poursuivre la reconstruction du pays, entretenir une identité nationale commune. Et l'artisanat ancien est légué comme un véritable patrimoine en Égypte. Des artisans tentent de perpétuer l'utilisation de l'albâtre, hérité du temps des pharaons, pour la confection de sculptures, un secteur fortement impacté par la baisse de l'activité touristique. Il faudra encore attendre une semaine de plus pour pouvoir aller s'exprimer aux urnes en République démocratique du Congo. Les élections combinées, initialement prévues le 23 décembre, ont été reportées au 30 décembre par la CENI à cause d'une incapacité technique. Mais ces scrutins suscitent toujours autant d'espoir de changement pour la population, comme nous l'explique Marcel Farbamaroun. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo avec ses 10 millions d'habitants. Ici, la vie suit son cours malgré les nombreuses crises qu'a connues le pays. Ahmed, 23 ans, étudiant en gestion et bonne gouvernance, fait partie des nombreux jeunes que compte la République démocratique du Congo à la quête d'un changement qui augmenterait les chances de trouver un emploi. À travers les élections générales qui doivent s'y tenir, l'espoir semble renaître. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. Je vois que du sable, du soleil dans mon pays, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais goûté aux fruits de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec ces élections, que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est, parce qu'il y a tout le temps de guerre là-bas. Premier pays producteur de cuivre en Afrique et premier producteur mondial de cobalt, la République démocratique du Congo a vu son économie ravagée par plusieurs années de conflits. À défaut d'offres d'emploi, l'entrepreneuriat peut être une alternative chez les jeunes, mais certains d'entre eux, comme Christian Boka, 24 ans et diplômé en relations internationales, y trouvent rarement leur compte. Le pouvoir d'achat congolais est négligé. Le papier mouchoir ici que vous voyez coûte 300 francs. Alors que mon pays est riche. Nous avons du cuivre, nous avons du coltan, nous ne manquons pas de bois. Mais c'est à 300 francs le papier mouchoir. Mais avec ces rames de papier mouchoir, je ne gagne que 200 francs de bénéfices. Prévu le 23 décembre prochain, les élections générales en République démocratique du Congo ont été reportées au 30 décembre par la Commission électorale nationale indépendante en raison de soucis techniques. À quelques jours de la fin de l'année 2018, le doute subsiste encore quant à la tenue de ce scrutin tant attendu. Le Rwanda a tenu son dialogue national annuel les 13 et 14 décembre. Comme chaque année depuis 2003, ce rendez-vous permet de mettre en lumière les dysfonctionnements relevés dans la vie du pays. Cette année, 10 résolutions ont été adoptées par le gouvernement pour assurer une meilleure identité nationale commune. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaysenga. Pour accélérer la productivité, la croissance et améliorer les conditions de vie des Rwandais, 10 résolutions viennent d'être adoptées par le gouvernement rwandais après la 16e édition du dialogue national qui s'est tenue les 13 et 14 décembre 2018. Pendant le dialogue, il a été remarqué que l'accès au crédit était encore difficile pour le Rwandais moyen et qu'il fallait améliorer les services offerts aux citoyens dans ce sens. Si j'ai bien compris, il y a un problème d'accès au crédit pour une partie de notre population et cela s'est encore aggravé en 2015. J'aimerais comprendre comment on en est arrivé là et ce qui s'est passé. Qui a pris cette décision? Sinon, on ne peut vraiment pas continuer à travailler comme ça. Le gouvernement s'est également engagé à continuer à encourager les Rwandais à aimer et à utiliser les produits made in Rwanda, augmenter leur quantité et qualité et définir les stratégies pour que leur prix soit compétitif face aux produits importés.
Nous avons réduit les impôts pour les industriels locaux qui veulent importer des équipements dans le cadre de la réduction du coût de production. Nous essayons de leur sensibiliser aussi de chercher les matières premières dans les pays proches au même coût. Par exemple, au lieu d'aller en Chine, on se rend en Égypte et réduire de 40% les coûts. Tenu pour la première fois en 2003, le dialogue national a été proposé dans le but de reconstruire le Rwanda et entretenir une identité nationale commune. Tiré de la tradition rwandaise, l'événement est même inscrit dans la constitution du pays des mille collines. L'intensification de l'irrigation pourrait permettre d'améliorer la productivité agricole en Afrique. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude publiée le 17 décembre intitulée Waterwise. Celle-ci préconise d'intensifier l'irrigation pour éradiquer la famine et produire deux fois plus de denrées alimentaires. Corinne Kamsefem. Seulement 6% des terres cultivées sont actuellement irriguées en Afrique, contre 14% en Amérique latine et 37% en Asie. Le rapport Waterwise Smart Irrigation Strategies for Africa, publié ce 17 décembre par le panel Malabo-Montpellier, préconise la pratique de l'irrigation pour augmenter la production agricole. Sinon, la part des personnes en proie à la famine sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici 2030 et grimper à 12% d'ici 2050. Nous devons faire de l'irrigation une priorité politique afin de la généraliser en tant qu'ingrédient clé pour assurer la sécurité alimentaire du continent face à des conditions climatiques plus extrêmes. Actuellement, la superficie des terres irriguées sur le continent africain est de 7,7 millions d'hectares. Selon le rapport, avec les dotations en ressources hydrauliques, cette superficie pourrait passer à 38 millions d'hectares. Des perspectives réalisables si les gouvernements s'impliquent avec notamment la mise sur pied dans tous les pays de structures en charge de l'eau et de l'irrigation. Les États peuvent faire des plaidoyers pour que beaucoup de projets soient adressés pour lever ces contraintes d'irrigation. Parce que vous le voulez ou non, l'impact est énorme sur la productivité agricole. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc ou encore le Malawi ont des expériences réussies en matière d'irrigation. Au Malawi, par exemple, l'accroissement des terres arables irriguées a permis d'augmenter de 65% les revenus dans les zones où les agriculteurs participent à des programmes d'irrigation. En Égypte, l'albâtre calcaire, aussi appelé albâtre égyptien, est un matériau très prisé dans la confection de sculptures. Certains artisans tentent de maintenir l'utilisation de ce matériau hérité du temps des pharaons, mais la baisse de la fréquentation touristique se répercute aussi sur leur secteur d'activité. Sharon Kamara. Dans un petit village situé sur la rive ouest de la ville égyptienne de Louxor, Abdallah travaille dans l'industrie de l'albâtre depuis près de 25 ans. Il dirige un atelier où l'on fabrique des statuettes en albâtre, un matériau utilisé à l'époque des pharaons. Mais depuis quelques années, l'artisan a du mal à joindre les deux bouts. La baisse de la fréquentation des touristes a un impact négatif sur son activité. Il n'y a pas de soutien financier pour que je puisse faire le travail et le soutenir. Si je ne conserve pas ce travail, comment vais-je manger ? L'industrie de l'albâtre est en déclin, parce qu'il n'y a pas d'assistance et il n'y a pas de tourisme. Le nombre de touristes est très réduit. Au lieu de vendre 10 pièces par jour comme à l'époque, j'arrive à peine à en vendre 2 aujourd'hui. Malgré les difficultés, Abdallah reste motivé par sa passion pour l'artisanat ancien. L'artisan qualifié a même des plans très ambitieux pour l'industrie en difficulté. Il ambitionne de construire un temple entier en albâtre seulement, afin de rendre hommage à l'héritage de ses ancêtres. Il déplore toutefois le manque de soutien du gouvernement. Cela fait longtemps que ce métier existe. Nous avons vu nos grands-parents exercer cette activité. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Peu importe le temps qui passe, nous ne pouvons pas abandonner ce métier, même si c'est dur. Nous saurons toujours comment faire. À l'époque des pharaons, les sculpteurs utilisaient l'albâtre pour créer des objets qui étaient habituellement offerts aux dieux. Le matériau a également été utilisé pour construire des sols brillants des temples anciens. Aujourd'hui, dans les boutiques de Louxor, un objet en albâtre est vendu à partir de 50 livres égyptiennes et peut aller jusqu'à quelques milliers de livres égyptiennes selon sa taille. La première compétition africaine de e-sport, aussi appelée sport électronique, s'est tenue le 16 décembre à Casablanca, au Maroc. Des équipes de 7 pays africains ont préparé ce tournoi qui s'est clôturé sur une victoire tunisienne. Un sujet de la rédaction.
La première compétition de jeux vidéo en Afrique, dénommée ISWC Africa, a été organisée le 16 décembre à Casablanca au Maroc. Un événement organisé en partenariat avec le pionnier des compétitions gaming dans le monde, eSport World Convention. Des gamers de 7 pays africains se sont affrontés sur l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Counter-Strike, un événement grand public qui a rassemblé près de 100 000 personnes selon les organisateurs. Dans cet événement, on a voulu en fait, que ça soit ouvert au public, à toutes les tranches d'âge. Les gens sont venus nombreux, on était agréablement surpris. Ils sont venus en famille pour passer un bon moment de partage, de divertissement, de découverte. À l'initiative de Inui, le deuxième opérateur de télécommunications marocain, cette compétition régionale s'est déroulée pendant l'Africa Gaming Fest. Après des semaines de compétition, le tournoi s'est achevé sur le sacre de l'équipe tunisienne Limitless GG, qui en plus de son titre de champion d'Afrique, a perçu la somme de 7 000 $. La compétition, franchement, l'événement en général, globalement, il était assez impressionnant vu que c'est pas tous les jours qu'on a des tournois en LAN, ça veut dire en réel. On doit faire le déplacement, tout ça. Bien sûr, ça n'a pas été parfait pour les transports, tout ça, mais c'est normal, c'est une première. C'est déjà très bien. Encore peu exploité en Afrique, l'e-sport est l'un des marchés à plus forte croissance dans le monde. Près de 30% des Africains âgés entre 18 et 24 ans seraient adeptes du sport électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.